Bonjour tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse de confiance en soi et de motivation. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la thématique comment s'en sortir quand on se sent submergé par une situation. Alors, comme toujours, j'aime bien vous expliquer ce qui m'a donné envie de vous parler de ce sujet. Alors, en fait, ça fait un petit moment que ça trotte dans ma tête parce que bah, depuis la rentrée, j'ai pas mal de mes clientes, en fait, qui se sentent complètement perdues, en fait, dans cette période de rentrée où généralement on nous met la pression hein, en disant c'est la rentrée, c'est la rentrée. Alors oui, c'est la rentrée des classes, mais finalement pour les personnes qui travaillent, c'est juste une rentrée de vacances. Alors ok, il y a eu les grandes vacances pour les enfants, mais c'est juste un retour de vacances normal, entre guillemets, pour les adultes que nous sommes devenus. Donc, ok, on a pas mal de choses à gérer pour nos enfants, bien entendu, dans cette période de rentrée. Mais finalement, pour nous, on devrait être capable de prendre quand on reprend le travail, et généralement des personnes même ont déjà repris le travail en août, si elles ont pris leurs vacances en juillet. Enfin voilà, donc ce début septembre devrait pouvoir se vivre exactement comme tout début de mois dans l'année. Mais c'est vrai que la société nous met une sorte de pression avec cette rentrée et ça peut être mal vécu. Et puis bon, c'est vrai que y a des choses à gérer pour les enfants et beaucoup de mes clientes, là, se sentent submergées par ce qui leur arrive. Alors, en plus de la rentrée, il s'avère que justement, elles ont des petits soucis de boulot, de couple. Enfin voilà, il y a pour certaines, ça peut être compliqué à vivre quand on a l'impression, en fait, d'être dans un tsunami, dans un ouragan, et l'impression que, ben voilà, tout s'acharne contre nous, que c'est une accumulation de choses difficiles à gérer, et ça peut justement créer une sorte de panique, d'angoisse, et ce sentiment de se sentir perdu. En plus, c'est assez amusant. Bon, si vous avez suivi un petit peu mon actualité, mon fils a été opéré d'une péritonite le week-end dernier, et donc il n'a pas pu faire sa rentrée. Et ben, on s'est relayé avec mon chéri à son chevet à l'hôpital. Donc, ça a été une semaine un petit peu chaotique. Donc, il est sorti hier. Et c'est vrai que ben, hier, je me suis retrouvée à pouvoir enfin retravailler normalement à mon bureau j'ai eu aussi ce sentiment un petit peu de me dire voilà, j'avais été l'impression d'être dans une machine à laver, puis de sortir de la machine à laver et de me dire oula, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je m'en sors? Alors que bon, c'était pas non plus très difficile à vivre finalement ce qui s'était passé, mais c'était un chamboulement bah, tout chamboulement peut créer justement une appréhension, un mal-être, un malaise, de ne plus vraiment savoir où on est ni savoir ce vers quoi on est. Donc, ce qui est important dans ces cas-là, c'est de se recentrer sur soi et de respirer, hein, une première chose, respirer un bon coup pour réoxygéner votre cerveau et puis pour vous recentrer sur vous-même. Faire une petite méditation, ça peut pas faire de mal dans ces cas-là, mais c'est pas toujours possible selon l'endroit où on est, parce que si on se retrouve au boulot, ben, on n'a pas obligatoirement la possibilité de faire une méditation. Moi, je dis toujours à mes clientes quand elles me disent qu'elles ont du mal à s'isoler, que ce soit au boulot ou même à la maison, hein, parce que quand on est une maman, on est très très sollicité à la maison. Et moi, je dis toujours, il y a un endroit idéal pour aller respirer, aller se calmer quand on est énervé, aller méditer 2 minutes, c'est dans les toilettes. C'est quasiment le seul endroit dans une maison où on peut être tranquille quand on a des enfants, et encore, ils peuvent aussi venir frapper à la porte. Mais voilà, de vous isoler déjà pour vous recentrer sur vous-même. Et ce qui va être important dans ces moments difficiles à vivre, où vous sentez voilà comme dans un tourbillon, ça va être de faire une chose à la fois. Parce que on peut avoir tendance justement en cette période de rentrée, devoir gérer les enfants, son boulot, le couple, la maison, tout ça, à se dire oh, il faut voilà avoir une to-do list énorme.
Et c'est ça aussi qui va pouvoir être inquiétant. Donc non, c'est de prendre les choses dans l'ordre. Donc la première chose à faire, ça va être justement de prioriser vos tâches. Qu'est-ce qui est le plus urgent et le plus important? Et c'est là-dessus que vous allez mettre le focus. Il y a plein de choses où ouais, c'est sur la to-do list, mais on se rend compte que bah, déjà, il n'y a pas d'urgence. Ça peut attendre le mois d'octobre. Est-ce que c'est vraiment important? À voir. Vous mettez ça de côté, puis vous voyez si début octobre, c'est toujours d'actualité. Et puis, si ça se trouve, vous aurez juste à le rayer de votre liste. Donc, ce qui va être important vraiment de prioriser, vous allez prendre les tâches, vraiment les choses les plus importantes et les plus urgentes. Et c'est là-dessus que vous allez mettre le focus dans un premier temps. Puis là encore, chaque chose en son temps. Ne chargez pas la mule, ne faites pas trop de choses à la fois. Peut-être qu'une seule action par jour est nécessaire et suffisante. Et c'est ça qui va être important d'avancer étape après étape, petit pas après petit pas. Surtout ce qui est important, après chacune des étapes que vous franchissez, chacun des objectifs que vous atteignez, eh bien, c'est de vous féliciter, d'être fier de vous et de vous le dire. Parce qu'on a tendance, nous les femmes, à nous dire, bon, ouais, voilà, ça y est, ça c'est fait, je passe à autre chose. Non, prenez le temps de ressentir le bonheur, la fierté d'avoir atteint votre tâche. Vous allez voir, ça va avoir un énorme impact positif. Sur votre état d'esprit, sur votre estime de vous, sur votre confiance en vous, sur comment vous vous sentez. Donc, ça va être très, très important donc de marquer le coup à chaque fois, de vous dire en fin de journée, d'avoir de la gratitude et de la gratitude aussi envers vous-même d'avoir atteint cette étape. Donc, ça, c'est très, très important de prioriser les tâches, les étapes et de vous féliciter à chaque fois que vous atteignez une étape et puis de ne pas trop vouloir en faire chaque jour. Une chose qui est très, très importante aussi dans ces moments de tourmente, ça va être de prendre soin de vous, d'aller rechercher en fait quelles sont les activités qui vont vous permettre de vous ressourcer, qui vous font du bien, qui vous reboostent, qui vous redonnent de l'énergie. Alors, c'est pas obligatoirement quelque chose de compliqué, ça peut être tout simplement d'aller marcher dans la garrigue, hein, je parle de moi. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Ça peut être d'aller vous promener dans un parc, d'aller au bord de la mer si vous avez la chance d'habiter au bord de la mer. Ça peut être d'écouter une musique aussi, tout simplement de vous isoler, vous prenez votre casque, vous écoutez une musique qui vous fait triper, qui vous fait du bien, qui vous ressource. Moi, c'est ce que j'ai fait la dernière fois à l'hôpital. J'étais avec mes deux fils, c'était mercredi. Je n'en pouvais plus. J'étais un peu au bout de ma vie, comme on dit, mercredi soir. Ils se chamaillaient en plus dans la chambre d'hôpital, tout ça. J'ai pris mon casque et j'ai écouté deux musiques que j'adore. Alors moi qui sont des musiques, moi j'adore la musique électronique, donc qui en même temps me reboost. C'était ma liste quand j'avais fait le semi-marathon de Paris. Et j'adore parce qu'à la fois c'est super dynamique, mais à la fois planant. Ça m'a fait un bien fou. En fait, de prendre juste 5 minutes où vous vous isolez avec un casque à écouter de la musique qui vous fait du bien, ben rien que ça peut vous ressourcer. Ça peut être de faire une séance de yoga, ça peut être de faire une méditation, ça peut être d'aller boire un café toute seule au soleil en terrasse, ça peut être d'aller boire un verre un soir avec une amie. Ça peut, voilà, ça. On a tendance aussi à mettre aussi la barre très haute dans les activités que l'on a envie de faire et qui nous font du bien. Mais tout simplement, des choses très simples, très faciles à mettre en place et très rapides peuvent nous redonner de l'énergie, nous rebooster. Donc c'est super important que vous vous posiez aussi pour vous dire, ben voilà, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me ressource, qu'est-ce qui me donne de l'énergie. Donc là, c'est vraiment les deux éléments sur lesquels mettre le focus quand vous êtes, quand vous sentez submergé. C'est OK, quels sont mes besoins en fait? Quelles sont les choses vraiment auxquelles je dois répondre rapidement, de manière urgente et qui sont vraiment importantes? Vous faites votre liste. Aline nous dit, remplacez la to-do list par la to-do list. Ah, j'aime beaucoup le jeu de mots, le to-do. C'est très sympa. Écoute, j'avais jamais pensé à ce jeu de mots. Merci. Voilà, de vous faire une to-do list, une liste toute douce de choses en fait qui sont importantes, mais que vous allez prendre en effet de manière plus soft, ouais, plus douce, c'est ça, vraiment. Donc d'avoir d'un côté les choses
Ben, les choses qu'il vous faut faire, hein, pour répondre à vos besoins, pour répondre aux urgences de la vie, et puis aussi donc de mettre le focus sur qu'est-ce qui va vous aider à tenir le cap, à vous faire du bien, à rester motivé, à vous accorder des petits moments de douceur. Donc ça va vraiment être les deux choses à mettre en parallèle, et finalement l'une et l'autre sont aussi, enfin, elles sont aussi importantes l'une que l'autre. Ça, c'est important aussi d'en prendre conscience et de ne pas vous mettre de côté. Parce que c'est ça aussi, l'épuisement, le burn-out que l'on peut connaître. Alors, le burn-out professionnel, mais il existe aussi le burn-out maternel. Enfin, voilà, il y a pas que au boulot, en fait. C'est généralement tout ce qu'on vit, en fait, qui fait que on peut frôler le burn-out ou même vivre un burn-out. Et donc, souvent, on a tendance à se mettre de côté, à complètement s'oublier dans ces cas-là. Donc ça, c'est très, très important de se recentrer sur soi, d'être ancré, hein. N'hésitez pas à faire la méditation de l'arbre pour vraiment vous sentir ancré au niveau de votre chakra racine, le chakra rouge. N'hésitez pas à vous entourer de rouge, à porter du rouge. Alors moi, c'est une couleur que je ne porte pas parce que ça ne me va pas. Mais vous pouvez justement avoir juste des petites touches de couleur, mettre un fond d'écran rouge sur votre ordinateur, sur votre téléphone, tout ça, c'est la couleur de l'ancrage du chakra racine. Et ça va vous permettre justement d'être beaucoup plus ancré et puis beaucoup plus stable. Parce que, ben voilà, comme toujours dans la tourmente, ben si vous êtes bien, bien ancré, bien stable, eh bien ce sera beaucoup plus facile de supporter les vents, les tornades que vous vivez. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Parce que je me suis aussi beaucoup basée sur ce que ces clientes m'ont partagé, mais peut-être que vous aussi, en cette période de rentrée, comme la société veut qu'on appelle ce début septembre, vous vivez des choses difficiles. N'hésitez pas à les partager hein, sous cette vidéo en commentaire. Là, si vous êtes en live, n'hésitez pas à me poser vos questions, à me dire si ça vous aide, à me faire des petits likes et des cœurs. Hein. Moi, j'adore toujours, ça me fait toujours plaisir de voir quand vous communiquez. Coucou Stéphanie. Et puis surtout, si vous vous sentez perdu, si vous vous sentez seul, parce que dans ces périodes-là, on a tendance à justement se sentir très très seul et avoir la fâcheuse tendance à s'isoler encore plus parce qu'on se sent incomprise, parce que on peut avoir honte aussi de ce qu'on ressent. Ça, moi je suis passée par là et beaucoup de mes clientes me parlent de ce sentiment de honte de partager ce qu'elles vivent. Donc dans ce cas-là, on peut avoir tendance à s'isoler encore plus et là, c'est pire que tout. Donc, si vraiment vous vous sentez perdu, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance clarté. Nous passerons 45 minutes ensemble, en toute bienveillance. Vous le savez, je serai là pour vous, pour vous aider à y voir plus clair justement dans votre situation, voir ce qui cloche, ce à quoi vous aspirez et pourquoi vous n'y arrivez pas aujourd'hui. Vous aider justement à identifier les étapes qui pourraient vous permettre d'y parvenir. Donc, moi, mon intention lors de ces séances clarté, c'est vraiment de vous aider à y voir plus clair, à vous rebooster aussi, à vous donner de l'énergie, à retrouver de la confiance en vous pour avancer. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous pouvez aller sur mon site www.pensée-colorée.com et puis il y a un onglet séance clarté. Et ce sera avec grand, grand plaisir que que j'échangerai avec vous lors de cette séance. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Si vous êtes dans la tourmente, essayez d'appliquer ce que je viens de partager avec vous. Vous allez voir, ça vous aidera énormément. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye!